Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, salut YouTube, on est sur le quatrième épisode du coup de notre Let's Play sur Divinity 2 avec Seiga et moi-même. Dans le dernier épisode, je ne sais plus ce qu'on avait fait, parce qu'il y a trop de choses. Ah oui, on avait fait un génocide. La moitié de la ville. On avait fait un génocide, d'où la tache de sang que vous voyez là en fait. Parce que, ben, je suis un piètre voleur, enfin, lui... Et à piètre voleur, sachant qu'en fait, en gros, au lieu de résoudre le problème dans le genre, ok, rends-moi les objets, c'est dans le genre, oh, ben, au final, on va tous vous buter. Ah, donc là, pour le coup, au niveau des quêtes, on ne peut plus se faire retirer le collier du coup. Ouais, à moins que ce soit plus tard dans le jeu, mais là pour l'instant, on peut plus. Moi, ce que je te propose, c'est de buter les gardes ici pour faire de l'XP. Ah oui, parce qu'on a toujours les magistères. Ouais. Ouais, mais ils sont 5 avec le toutou. Ah ouais, mais on a foiré des quêtes, faut d'XP maintenant. Attends, au pire, j'ai une idée. Je vais tenter quelque chose, je vais me mettre devant. Hop. Sinon, on a l'avantage de pouvoir se positionner. Attends, moi je vais faire une attaque furtive sur lui, éventuellement. Donc au pire, mettez-vous en haut. Que je puisse commencer à attaquer. Je prends un deuxième. Monte, je t'ai dit, je vais pas. Voilà, ils sont tous devant vous. Rangez vos armes si vous voulez pas d'ennui. Ah, majeur, on est en live. Aïe. Je sais que vous êtes en live. Ah, c'est encore à mon tour. Et du coup, je vais retirer un peu. Ou alors je monte. Attends, est-ce que je peux choper elle par derrière? Oui, toujours par derrière. Oui. Oui, ici. Aïe! Je peux essayer de vite la tuer éventuellement. Ça va, tu es Michel. Bah en même temps, là, je lui ai tout mis derrière. Parce que je suis un gros enculé. Par contre, c'était pas prévu ça. Il va tout mettre dans la bouche. Ah, il va tout mettre dans la bouche, ouais. Bon, alors. En fait, ça fait genre, putain, on se rebelle, les gars. Putain, c'est dingue, toi. C'est de la magie et ça fait des dégâts physiques. Ouais, c'est bizarre. C'est assez bizarre. Ah, attends, parce que moi j'ai un toutou qui est collé à ma couane. J'ai peut-être... Attends, j'avais débloqué bélier, je crois. Ouais, je crois que t'avais bélier. Ouais, j'avais bélier. Fortification, est-ce que je peux le balancer éventuellement sur mon cher ami voleur parce qu'il va prendre tarif, lui. Ou alors limite pour essayer de l'aider, est-ce que je peux éventuellement position. Ah punaise! Dès que t'es en contrebas, t'as un malus de dégâts. Bon, ça c'est. T'as pas vu une gameplay, je comprends, mais c'est chiant là. Ça m'arrange pas. Un coup du guerrier, on s'en fout. Putain, 50 points d'armure! Oh non, ils abusent. Eh, la zone de provocation, elle est ridicule par rapport au premier. Mmh. Oh, elle fait mal. C'est ricoché, c'est normal. Pour ça, vivement qu'elle apprend des compétences, notre archère, parce que là, elle est un peu useless, quoi. Je préfère la cheville, celle qui est mon boulet. T'as bien fait. Moi le. Bah, les cons. Ou quoique. Pas si con en fait. Putain, 18, 17. Ah, mais vas-y quoi. Non, mais t'as un carton.
je peux le faire d'ici. Ça m'étonnerait. Ouais, cible non valide. Ah si. Éventuellement. T'as pas d'armure magique, je vais essayer de t'endormir toi. En plus t'es enragé. Voilà. Oh mais ils ont pas fini de me cramer eux. Tu es clouté, cramé, défoncé, écartelé. Mais apparemment, il y en a un que ça excite. Mm-hmm. C'est ça. Ouais, sinon, PV. Il y a juste l'archer qui est, comme d'hab, qui est toujours en galère. Pas con ça. J'enlève du feu, tant qu'à faire. Bah oui, parce que le feu ça brûle, c'est connu. T'aurais dû le garder. Je fais ce que je veux. Bah, c'est pas ça, c'est qu'au moins t'aurais temporisé. Je voulais faire des dégâts. Putain, c'est dommage parce que là le bélier il passera pas. C'est dommage. Bon, déjà je vais faire ça. Ah non, j'ai une idée. Je vais faire ça déjà. Ensuite, me foutre là en espérant que j'ai assez de portée. Ah merde, c'est 2 points. Autant pour moi pour le coup. Ah bah non, j'ai qu'à faire ça du coup. Au moins vous serez protégé. Colère, il va se mettre en haut dans le feu. J'espère pour toi que là tu n'as pas d'autres bombes à clous. C'est chiant qu'elle ait pas de pouvoir. Elle. Ouais. Attends, qu'est-ce que j'ai comme truc intéressant éventuellement? Ouais, non, j'ai rien d'intéressant. Oh la vache, 22-11 quoi. Je m'en doutais. En même temps, j'aurais fait pareil. Bon, après, je vais tenter la provoque, mais je suis pas sûr de tenir après. C'est ça qui va me casser les pieds en fait. Ah bah bravo, il affecte tout le monde. Il est dégueulasse. Ah oui, effectivement, c'est dégueulasse. Salut Nash. Salut Nash. Bah écoute, pas de sens. Bah écoute, ça va. Tranquille. On fait des jeux un peu plus posés que For Honor, hein, vous voyez. Du coup, je commence à le bouger, je pense, vers le gueule sang. Ah, bien vu. Pour laisser. Bien vu, bien vu. Attends. Je vais essayer de prendre. Pas lui par derrière, mais. Attends, tu peux pas me le mettre. Ouais, voilà. Donc, pas 3, je me mets ici. On va provoquer. Alors, soit je provoque ou je fais tomber. Ça dépend. Ça donne quoi l'armure ici? Lui, il n'y a plus d'armure, donc il tombera. Mais lui, il y a encore beaucoup d'armure. Demain, double XP! Putain, en plus, je suis occupé de toute la journée, quoi. C'est ballot. Ouais. Comme d'hab, ça tombe toujours mal. Bélier, est-ce que ça fait tomber? Permet alors.
Applique renversement. C'est le même principe en fait. Bon, écoute, je vais provoque. Oh, en plus ça proc. Est-ce que je tente le feu là? Ouais, mais non, après tu vas te retrouver bloqué. Jusque lundi! Ah, oh, nickel. Lundi, quelle heure, tu sais ou pas? Je vais conner. Oh, t'as un congé, t'as un temps de femme. Pas faux. Ouais. Ouais, d'ailleurs, je m'excuse encore de dire que t'avais fait un smurf. Oh, putain, et j'avais pas tilté que c'était que ta réputation sentinelle. Certainement 19h. Oh putain, c'est cool. Saloperie. Parce que lundi, je risque de faire un gros live for honor de farm. Ah, le toutou. Attends, oh oui, tu vas morfler sur le toutou, toi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Attends, est-ce que je peux me placer derrière? Non, je peux pas me placer derrière lui, oui. C'est soit je te... Ouais, non, je vais te libérer le chien plutôt parce que lui, il est chiant. Pardon? Oh, putain. Oh, j'aime pas quand ça fait ça. Bon, tant pis, après tout. Par contre, un conseil, ne descend pas pour le coup. Non, mon sang. Ah bah, non, il s'est pas remis derrière ce con. Bah, je vais économiser. Hein. T'as fait un blocage, c'est moi? Non, j'ai juste eu mon armure qui est encaissée, c'est tout. Une fois que t'encaisses, ça fait peur? Bah ouais, mais le problème c'est que je... c'est pas ça, c'est que demande à Seiga à haut niveau sur Divinity, le premier du nom, mais je tankais comme un gros sac. Mais quand je te dis gros sac, c'est que je bloquais un peu tout et n'importe quoi. À part certains sorts, sinon je bloquais quasiment tout. Hein. Regarde. Et le toutou, il va dans le feu, pas hot dog. Ah bah! Ah, quoique, ils ont plus d'armure. Hop, un petit écrasement. Ah, putain, la vue tactique. Réputation 13. Ça, c'est bien, ça. Ah merde, ça a manqué. Bon bah tant pis, hein, on va vous cramer alors. Hein. Fire, fire. Qui suit réputation 2. Par contre, le seul bémol, c'est que le blocage, putain, je le récupère. Enfin, la levée de bouclier, je la récupère que dans un tour. C'est un peu trop long, ils auraient dû mettre tous les. Saiga et les archers, mon dieu. Ah, mais c'est pour ça que je voulais une chevalière, moi. Contre-coup à la limite sur lui, je risque peut-être. Non, je vais cramer. Génial. Attends, je vais rendormir le toutou. Pour que tu sois tranquille. Genre il dort alors qu'il brûle. Ouais, c'est ça quoi. C'est la magie du RPG quoi. Ah, quoique ici je peux peut-être me placer sans cramer. Je vais essayer. Oh putain, oui. C'est bon ça. Attends. Bah d'ailleurs on va le bourrer. Et quand je te dis bourrer, c'est bourré. C'est 3 points, donc je vais laisser 3 attaques. Oh, elle a eu mal. Ah oui, je me doute, ouais, si t'as du double XP, ouais, profite. Hein. Du coup, il reste qui, comme il dit? Bah, il reste le chien et celle qui est au sol.
Lisez-vous, Zoro Blob. Ah, tu vas tanker le chien. Alors, c'est... Il touche l'archère qui est en hauteur. Oui. C'est n'importe quoi. Oh non, moi ça me paraît logique. C'est pas pour te faire chier, hein, mais ça me paraît logique. Ah, pour moi, c'est pas une explosion si énorme que ça. Quel jour tu joues à Fournor ? Bah ça risque d'être dimanche et lundi et éventuellement, mais ce n'est pas sûr, après le live si je suis en forme là. Après le live Divinity. Il reste Toutou. C'est là le Toutou, il arrive à monter à l'échelle. La logique dirait non, mais le jeu dirait ta gueule. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai ça. Attends, qu'est-ce qu'on a ? On a la clé du magister. On a une assiette. Qui se vend bien en plus. Ok, au lieu de lire pantalon malodorant, j'ai cru lire pantalon moulant. Bien sûr, plus. Les attestats, on s'en fout. Les procédés nécessaires pour la réalité. Est-ce que t'en... Toi t'as fouillé lui, est-ce qu'on a fouillé elle? Ouais. Perso, je t'ai rien, il y avait rien pour toi, donc malheureusement je t'ai. Moi j'ai trouvé que des clés. Attends. C'est tout. Faut que je monte, t'as été monté, non. Donc à mon avis, on peut sûrement ouvrir la porte. Ah bah oui, je me doute. Hein. Y a pas de problème. En plus, je pense avoir pris du niveau sur le compte en multi, c'est-à-dire en gros, s'ils sont plusieurs contre moi, je pense avoir pris du level. Du coup, on peut ouvrir la porte et continuer le massacre des magisters. Ouais, je fais juste mes tiens, sauvegarde vite fait. Ah non, c'est verrouillé. C'est pas la bonne clé. C'est moi qui dois avoir la clé. Bah d'habitude ça fait le... Bon ok. Bon à coup ça téléporte la clé, à coup non. Ouais c'est... J'imagine juste mes persos. Avec la fameuse couchette. Attends, bah là justement je me suis fait choper par un garde. En hauteur. Qui ma foi a l'air d'être tout seul. Je regarde si je peux équiper mon archer. Ouais il est tout seul. Donc, bon, clairement, en gros, c'est limite, je l'attends, quoi. Ah, je suis en combat. Ouais, il m'a mis un coup handicapant, je peux plus bouger, c'est ballot. Je crois qu'il doit encore en avoir en haut. Bah écoute, il m'en met qu'un seul, donc je ne pense pas. Bah écoute... Parce que je suis un putain de lézard dragon croisé skyrimien. Allez! Merde, par contre, je me suis mis dans le feu comme un pélo. Ça va, t'as les pieds qui chauffent? Oh ouais! Oh. Bah les feintes, le problème c'est que je... Il y a des persos, c'est inutile de faire des feintes, même... Enfin si, j'en ai fait pas mal avec le Hercir récemment, parce que j'ai fait une quête où je devais faire 12 parties avec le Hercir. Donc D'ailleurs, je me suis d'ailleurs étonné à bien jouer avec. C'était surprenant. Normalement j'ai mon jeté de couteau là. Ah là il est malade, il crame. Putain le mec il a total. Ah si t'as un autre magister plus loin à voir. Mais là après on s'enfonce dans le donjon en fait là. Et à mon avis, à la fin, on va devoir se taper les espèces de brutes, là.
On va peut-être essayer de monter en haut parce que quand on avait été tout en haut à la tour, on s'était fait défoncer. Alors attends, Snake, Snake. Coucou, c'est moi. C'est vraiment craqué. Je trouve le voleur, il est vraiment craqué quand même. Au niveau de dégâts, c'est n'importe quoi. Ah ok, pas de soucis. Derrière, il nous manque quoi en XP? 7400 XP, ok. Après, c'est toujours que de l'entraînement. Hein. Même si, bon, je t'avouerai qu'avec un gardien ou un tank, je suis un peu plus à l'aise quand je suis à plusieurs, enfin quand ils sont à plusieurs contre moi. Mais par contre, un assassin, je suis toujours aussi nul. Pourquoi t'as pris un assassin alors? Ah, je te parle sur For Honor. Ah. Ah, parce que je parle avec Nash du coup. Le joueur il est au sol et tu peux rater. Saloperie. Ça c'est vrai que c'est un peu con. Voilà. Ouais, on va aller fouiller le camp. Pied de l'ordre divin. C'est quoi? Pied. Pas mal de choses. Marteau. Le grand clan fer est frappé du symbole du magistrat, même si vous remarquez encore celui du divin. Je l'ai trois. Alors attends, il y a encore des gardes là. Ils sont deux. Ah, il y a des livres, attends. Dépeçage en douceur des animaux. Si vous y a des vegans. Oh, il y a. J'adore ces gars qui me laissent pas regarder, mais c'est pas grave. Surtout qu'il sait même pas l'armure, si c'est une armure décorative pour de l'argent ou si c'est une armure qui est vraiment efficace. Je parie qu'il l'a pris comme ça. Ok, elle sert à rien en fait. L'armure ne sert à rien? Non, la baliste. Ah. Je pensais qu'on aurait pu l'activer pour faire un petit truc. Est-ce que j'ai assez d'adresse pour ouvrir la porte? Non, niveau reste ça suffit. Faut vraiment que je lui apprenne de l'adresse. Hein, parce que punaise, combien de portes il a dit je peux pas. J'ai pas assez d'adresse. Oh putain, je me suis fait choper. Ouh là, ils sont à 5... ils sont 4 là. Ouh, un flacon d'huile. J'arrive juste au moment où j'ai jette le flacon. Fait chier, j'ai pas de dissimulation. Donc je vais économiser mes PA. Et est-ce que j'ai éventuellement le lancer de couteau à portée? Non. Paladin Gork? Paladin Gork? Ok, on a un paladin avec nous. C'est dommage, ils sont un peu loin. Deux... Oh putain, deux PA pour sortir quoi! C'est chiant. Ah, quoique. Non, je touche pas. Donc, je peux encore avancer éventuellement d'un PA. Mais sans me buff. Ah, ouais, t'es obligé de. Ah, ouais, c'est vraiment pas comme le premier. J'aime vraiment pas le bélier de cette version-là, mais bon. Subdue them and make sure Cork doesn't leave. Lucide. Il est lucide. Oh, il est méchant. Je sais pas s'il faut le sauver avant. Bah écoute, on fera ce qu'on peut, hein. Si on peut, on ira le sauver. Hein.
Mais c'est pas sûr qu'on y arrive, hein. No. Je suis lent. C'est trop ça. Ah merde, je suis même pas. Ah, je suis même pas pris d'encouragement. Oh putain. Insiste. Tu les armes. Ouais, il attaque deux fois, ouais, en plus. Bon, après, il est au bouclier, donc il suffit qu'il fasse lever de bouclier. Il peut gagner assez d'armure, peut-être, pour emmagasiner un tour. Donc, il peut peut-être tenir le coup. Hein. Ah oui, il faut que ce soit mon voleur de jouer. Voilà, levée de bouclier. Ah putain, elle a gagné 24, c'est pas beaucoup. Faites-moi... Oh oui, faites-moi mal. Ce lézard SM. Voilà, lézard SM, tu sais. Ah, t'es plus dans lui, mais t'as encore lenteur. Ouais, alors attends, est-ce que c'est une cible valide? Merde, est-ce que toi t'es une cible valide? Oui mais non. Chier. Alors attends. Bon, je vais devoir gaspiller un coup. Après ce qui me fait peur c'est l'archère encore derrière en fait. Putain. C'est soit je lui donne le 3 coups. Faut, je crois que je vais faire ça plutôt. 43 points de vie, il y a moyen que ça passe. Ah non, j'ai raté une attaque. Oh, elle va mourir de l'hémorragie. Au prochain tour, donc on est à peu près bien là. Ouais, par contre, toi tu viens avec moi. Et bon, tant pis, je vais claquer pour nous deux. À moins que je peux le choper, ouais, avec les flammes. C'est pas mal l'animation. Ouais. Oh, je peux le choper avec les flammes, donc au moins je suis sûr qu'il crève. Ah ouais, non, merde, il y avait encore de l'armure magique. Ah, putain, cette mécanique, j'ai encore du mal à l'assimiler quand même. Oh, putain, premier secours. Ah bon, tu tankes, c'est bien. Putain, je lui mets ses claques. Ouais, et il se dirige vers nous. Ça, par contre, ça pue du cul. Ouais, une petite attaque de zone, la limite, un peu de zoning, et je crois que j'ai plus de grenades avec mon... J'ai une flaque de poison, mais je n'ai plus de grenades avec mon voleur. L'archer est pas à portée pour moi. Ouais. Quoique l'archer, je peux la faire tomber au prochain tour si mon lézard il joue avant. Je sais pas s'il joue avant d'ailleurs. Tu regardes en haut ? Ouais, bah j'arrive pas à reconnaître au portrait. je crois t'es le seul lézard tout vert. Non, mais moi oui, mais l'archère, tu la reconnais là-dedans ? Je pense que tu joues avant. Je joue à Magister. Non, je pense que je joue pas. Justement, je joue juste après elle. Bah, au pire, au lancer de couteau, je peux essayer de l'achever. Si... Je vais me rapprocher un peu de toi. Je vais pas dire, mais mon archer n'a pas encore joué. T'es sûr qu'elle est en combat? Ah ouais, elle est en combat, bah ouais, c'est bizarre. Putain, alors attends. Elle a encore de l'armure magique, donc je peux pas l'endormir. Mais je peux essayer de l'achever. Ouais, je vais quand même être sûr de mon coup, je vais mettre adrénaline. Ah, tu vois, j'ai bien fait. J'aurais cru qu'elle aurait survécu. Non, abuse pas. Le problème, c'est que lui, il va te faire chier. Quoique. Bon, on a pas d'accord, je le TPR et puis loin. Ouais, parce qu'attends, j'aimerais bien, limite, c'est essayer d'aller soutenir le gars. Ouais, vas-y. Je me débrouille avec lui. Attends. Bon, ça, c'était logique. Ah putain, ça a consommé un point quand même. Merde!
Ah, je me suis trompé. Je voulais faire lancer de bouclier. Boulet. Bah, c'est pas très grave. De toute façon, je devais claquer. J'avais perdu pas mal d'armure. Mais. En fait, là, on est en mode vengeance contre les magistères, quoi. C'est beau. C'est le moment où on leur fout plein la gueule. T'es capable pas me mettre un collier. Oh putain. Ah, l'attaque éclair. J'ai. Oh putain, j'attends à revenir sur toi. Et puis en plus, je t'ai pas buff en défense du tout. Ouais. Quoique, ouais, t'as bien fait. Bon, désolé, je t'ai touché un peu. C'était pas prévu, le programme. C'est pas grave. Ça devrait le faire. Je vais envoyer mon voleur te filer un coup de main sur le gars, en espérant que j'ai contre-coup. Ah, le cadavre est pas porté. Au pire, fais le lever de bouclier. Pour essayer de te tenir si jamais il t'attaque. J'ai pas assez de PA. Ah merde. Quoi ouais. 24. Bon, c'est pas la mort, mais fais chier. Oh oh oh. Il a raté. Oh, il a raté. Oh le nul. Oh. J'ai pas contre. C'est moche qui tape des esquives. J'ai pas contre coup. Putain, attends. Est-ce que je peux le taper alors? Non. Je peux pas le taper alors que je suis derrière. Par contre, l'archère, ouais, je peux la taper. Et il y a le tien éventuellement que je peux taper. Mais il faudrait éviter que je passe quand même sous le. Sous le feu. Donc. Je vais affaiblir lui des fois. Parce que je crois que tu lui fais un peu de dégâts magiques au pire. Non, pas du tout. Pas du tout ? Je fais vraiment que du claque. Ah bon, ça c'est logique que j'allais prendre. Ou quoique, j'ai. Alors, bon, je vais pouvoir faire ce que... ah non, ça va pas rebondir. Ah, je suis un peu dégoûté. Par contre, ça c'est intéressant de le faire. Ah ouais, ça va lui faire gagner du temps. Les gars, je vous laisse, je vous dis bonne soirée et bonne game. Bah, certainement. Pas de soucis, Nash. T'es la bienvenue. Bonne soirée, toi aussi, Nash. Ah, des pustules et des champignons, c'est dégueulasse. Waouh, c'est quoi? Piqué du phénix carrément lui. Il est chaud patate. Ah, je pensais pas qu'il avait rien. Je vais charger avec mon voleur, t'en fais pas. J'ai. Je me suis dit qu'il allait plus se tourner vers nous. 57, je suis pas sûr de pouvoir le tuer sur ce tour là. Je vais essayer quand même. Alors, il me reste. On pourrait peut-être l'achever. Bon, j'ai pas adrénaline aussi, c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis que je suis pas sûr de pouvoir l'achever. Oh, t'as du bol. Bah attends, du coup, je vais faire ça. Du coup, est-ce que je crame? Ouais, tiens, allez hop, ça fera du bien. De toute façon, après, vous êtes à distance la plupart. Allez. Et puis, je vais le provoquer. Quoique, est-ce que j'ai beaucoup d'armure? Je suis à combien? Ah putain. Comment je peux le voir le nombre d'armures que j'ai parce que c'est pas marqué. Ça va aller. T'as la moitié. Ouais bon allez. Du coup je provoque. Applique provoque. Ah c'est que pendant un tour. Ah bah putain. Bon au moins il est sûr de passer. C'est pas comme l'autre où t'avais un... le taunt. Oh putain. Ouais non. Je pensais pas que l'archer m'aurait tapé tu vois.
Par contre, faudra vraiment mieux fouiller le camp parce qu'on a. J'ai pris l'agro, on n'a pas eu le temps vraiment de fouiller les tentes. Ouais, on fouillera. Et vengeance, vengeance. En fait, j'aurais pas dû le provoquer parce que. Quoique. Oh le con. J'ai handicap. Oh, j'ai pris un peu cher quand même. Je peux vraiment. Je vais devoir rester à bonne distance, malheureusement. J'ai pas de bon angle d'attaque là. Et c'est passé. Hop. Oh, je prends tarif. Aïe. Ah si, en fait, c'était marqué en bas. J'ai 80 poids d'armure quand même. Ça se prend. Ah, je suis en position sur... Ah oui, d'accord. Donc, les attaques à distance, quand t'es en position surélevée, t'as un bonus de dégâts ou un malus de dégâts en fonction de ta hauteur. Du coup, la 22, putain. Ça, c'est dur, cette boucle-là. J'ai rien pour de distance. Et elle est pas portée. Bon bah économie TPA. Tu sais ce que ça fait con, si tu comptais faire exploser ton bloc, t'es un peu à côté. Pour l'instant. Alors fais mes tours, truc qui sert à rien. Elle va se restaurer. C'est vrai que les... En archer, ils ont premier secours. Ah, il a attaque d'opportunité, ton blob. Putain, c'est pas mal ça. Ouais, il fait tout le blob. Ah, abuse pas non plus, mais... je vais t'achever. Coucou. Oh putain, qu'est-ce qu'ils font mal, les voleurs. Chapitre 2, évasion de l'aide de la faucheuse. Alors, oulala. Va falloir parler au paladin après. Ah bah tu lui parles déjà. Bah c'est lui qui vient me parler. Ah ok. T'inquiète, en fouillant les cadavres, s'il y a des trucs pour toi, je te les transfère. T'inquiète. Oh, un bouclier. Je vais le prendre pour comparer. Une dague magique à Fane. Des sous, des sous, des sous, des sous. Allez, je me gave. Une planche à découper. Tu crois qu'ils aiment le saucisson? Alors, on a quoi? Du foin, fourche. Croisade des magisters. La chronique se poursuit. Marteau en personne. Okay. On a même pas pris d'XP avec lui. Oh, c'est rageant. Ah, il y a une baguette, je te l'envoie. Une flèche renversante, je te l'envoie.
et une tasse de thé. Je consomme au moins, je sais ce que ça fait. Pour le craft, je prends. Ah oui, par contre, je devais regarder, j'ai eu un bouclier. Bouclier, alors. Comparé. Voilà. Le bouclier magique que j'ai est légèrement mieux. Donc, limite. Tu as combien en constitution ? Je vais regarder ma fiche du perso. Parce que si t'as 11 en constitution, je peux te balancer celui que j'avais. J'ai 10. Ah putain, t'as pas assez. Il te manque un point. Ouais, tu peux me le passer, je l'aurai après quoi. Ouais, je trouve ça un peu débile que tu mettes de la constitution, mais bon. Je vais te le passer. Fane. Ah oui, non, bah effectivement, les armes que j'ai, elles sont largement mieux quoi. Là, c'est là d'où on venait. Donc, il voulait quoi, le paladin ? Nous dire qu'il menait une enquête sur ce qui se passait ici. Et que, du coup, il allait aller dans les marais. Parce que c'est trop dangereux et qu'il va faire un rapport. Ah bah oui. Donc, à mon avis, on serait peut-être amené à le recroiser. Oh, putain ! Il y a une archère totalement random qui était même pas visible et qui a réussi à me choper quoi. Ce qui est con, c'est que tant qu'on a le collier, on peut pas s'équiper en fait de quelque chose à notre coup. C'est ça, ouais. C'est il y a aussi le fait qu'on y a nos pouvoirs aussi qui sont bloqués. Alors je vais tellement me défoncer. C'est réaliste mais ça fait chier. Putain la malle. La cible est trop éloignée, pardon. En plus, j'aime bien sa gueule, lui il fait son petit marché tranquille. Ah bah écoute, t'as le temps de faire le tien à mon tour. Oh, ce coup de boule. Si t'es vraiment dans la merde, tu me le dis. Ouais, non, là c'est bon, elle est tout seul donc. Là, le voleur il va l'achever quoi. Ou pas. Quoique. Je vais la refaire tomber, c'est pas grave. Ah merde, j'ai tout cassé derrière. Ça par contre c'était malien de ma part. C'est pas très malien de ma part. Et encore le voleur qui achève. Oh, c'est une archère à mon avis, ça va être plus être pour toi. Ouais, que dalle. Ah putain, par contre mon perso qui crame. T'as besoin de la couchette ? Ben pour Fane ce serait sympa, ouais. Y'a pas moyen que j'en chope une pour moi parce que c'est cher, je crois que tu me la passes. Bah je sais pas, faut que tu la trouves. Hop, envoyé. C'est gars. Moi je l'avais chopé au sol. Donc si t'en trouves une autre au sol. Ok. Ah, de toute façon je ramasse mon merdier. Alors il y a un autre... Alors, y a une autre sortie là-bas, je sais pas si t'as sauvegardé pour le coup. Non, c'est une bonne question, je vais faire. Parce que là, il y a un autre accès. On va bientôt passer niveau 5. Ouais, on peut aller aussi rentrer à l'intérieur, j'ai vu. Ouais. Ça a l'air d'être le fameux marais, tiens, ici.
Ah, par contre, il y a un pont-levis. Merde. Et l'accès... Ah, oh, putain. Je sens gros comme une maison que l'accès est là où il y a le boss. Même si c'est pas logique, mais bon. Ouais, là on arrive sur le truc. Putain, les mecs, et les lézards, ils tiennent pas l'alcool. Hein. J'ai bu une bouteille de bière, ça y est, je suis bourré. Ah, t'as quelque chose de verrouillé ? Si t'as un coffre que tu peux foncer. J'espère, parce que... Attends. Pourquoi je peux pas le viser ? Ah, putain. Ah, crocheté. Pas sûr que je puisse, parce que j'ai pas beaucoup d'adresses pour l'instant avec lui. Faut que je développe ça. Attends, j'ai eu un chargement, ça... Ça a fait planter le crochetage. Ah, là, c'était logique, niveau d'adresse suffisante. Ah, bah, tu as encombré. Envoyer. Ah. Bah, au pire, l'armure que t'as chopée, balance-la. Ce qu'on est, c'est de bien lourd. Hein. Non, non, j'ai envoyé à l'oche des trucs. En fait, c'est parce que j'ai ramassé le tableau. Alors. Ah, ouais. Alors, j'en connais encore un qui va se faire la patate d'argent et qui va dire ouais, non. Bah, pour un jour acheter les compétences de l'archer. T'en retrouver. Bah, elles sont chargées aussi. Bon. C'est le gros tableau de merde qui est trop lourd. Pierre, je le prends. Hein. Regarde la taille du tableau. Ouais, attends, mais juste. Attends, je veux juste les. Il vaut 164 pour 150 poids, mais même moi je peux même pas le porter. Ce mec qui veut braquer un Picasso limite au Louvre, il essaie de le mettre dans sa poche, mais il se rend compte que ça passe pas. C'est ça. La blague quoi. Il y a la salle principale ici, là je me rappelle, c'est là où il y avait le boss. C'est ça. Il était quel level ? 4 nouvelles recettes. Ah, les parchemins, on les a pris, c'est cool. Bah attends, je peux essayer de voir. Attends. On avait tout fouillé en bas ou pas ? Normalement, oui. Ils sont niveau 4. Je vérifie sur la carte, ouais, je pense qu'on a tout fouillé. Le problème, c'est que il y a deux boss. Deux boss. Et ils ont une zombie. Enfin, c'est pas qu'ils ont une zombie, ça dépend. C'est pour ça, passe devant limite et sauvegarde avant. L'elfe, à mon avis, tu peux la faire venir avec nous pour combattre. Laissez-moi faire. La corruption, ça me connaît. La corruption, ça me connaît. I beg your pardon, Your Honor. They must have slipped his watchman. You! Who let you out of your cell? Come along. You'll be tried when you're called. Eh, du coup, ça sera votre tour. T'en as buté un peu tout le monde. Putain, vas-y, fais-nous ton noble arrogant. You do as you're told, or I'll knock some teeth out of that highball mouth. Now get over here. Putain, mec, il est déjà passé le combat, quoi. Je t'ai pas. To be an education for all of us. Tell me, sorcerer, what did you hope to gain by interrupting these proceedings? Juste vous casser les couilles. Do not answer. You must run. Run! Parodie de justice. Putain. Escape the fort. To what end? To return to your home and lead a Voidwoken straight to those you love? Have no illusions. Our cure will not heal you, but it will heal all of Rivelon of those monsters. Would you like to see a demonstration?
Non, merci. Now, Fastpot. Better to know what awaits you than to bash blindly. Let me show you. Madam. No. Animal. Oh putain. Si je pense pas. Je pense pas que tu puisses la sauver. Merde. Parce que là, si on part en combat, ils sont 6. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Surtout qu'on a l'archer qui est pas au top. I imagine it's quite hard for you to fathom. I don't. This elf has sacrificed her source. Some might say the spark of life within her. But she has done so in the name of us all. She is a hero. On n'a pas la même définition de héros. Hein. I would have loved for the divine order. Now it's your turn to rip. Alors voilà. Alors bon, l'avantage c'est qu'on peut avoir l'avantage de la position, mais on n'a pas trop de personnages qui peuvent bénéficier de l'avantage de position. Peut-être a fait mal. Avantage de position. Bah donc limite faudrait que je fonce tête baissée avec le tank soit en bas à gauche ou en bas à droite. Mais le problème c'est que j'ai quoi de portée. Elle a que de l'armure magique elle. Ouais, à mon avis tu peux la tuer en 2-2. Je peux la tuer en 2-2 la prisonnière elfe avec le voleur. C'est pas ça le problème, c'est que là si je fais test baissé avec le voleur il va se faire démonter. Non, t'es mort. Je suis mort. T'es mort, non. Faut donc, les laisser venir je pense. Je pense qu'on va les laisser venir. Je vais mettre le voleur à gauche juste là, éventuellement. Ça me fait chier de faire ça, mais on va faire ça. D'accord, bon c'est peut-être des buffers tout simplement. Ça passe. Ah, t'as chopé un casque pour l'archère. Elle est moche, mais ok. Armure de givre. Ouais, donc elle renforce l'armure magique. Bon. Je vais me foutre là. Merde, je suis pas à portée, j'aurais dû le faire avant. J'ai pas le bonus de sur... j'ai pas le bonus là par contre, ça me fait un peu chier. Bon, de toute façon, je vais quand même le taper parce que, de toute façon... Il va falloir que je l'emmène, quoi. Oh putain! En plus avec un... Oh putain! Ouais, ben je crois que je vais ramener mon voleur. Et en plus, putain. Ah ouais, ah ça rush. Waouh. Va falloir réfléchir. Je vais charger au niveau du boss avec mon tank et je vais buffer défensivement parce que là sinon on va pas tenir. Il a combien d'armure le boss? 58. Et encore là, on a les mages qui sont pas. Les mages, attendez, comment la map. Ah là, les mages, ils vont nous casser les couilles. Ils sont vénères. Ouais, ouais, bah là, en fait, en gros, je crois que c'était considéré comme un combat de boss. Oh, bien vu l'aveugle. Bien vu. Putain, ils ont des potions quoi. Flacon d'huile en plus. Oh putain. Attends, lui il a quoi en armure? Putain, il a encore le max d'armure lui. Ah, je... carrément, ils sont vénères. Hein. À moins que je m'en occupe là. J'ai quelle portée avec ça?
T'as l'armure magie 4. Parce que là, Là, parce que si je me barre, je me prends forcément une attaque de... d'opportunité. Ouais, mais... Et c'est si le mauvais plan. C'est le mauvais plan. Par contre, si j'essaie d'attaquer, il va me... Ah, quoique, non, c'est bon, ça passe. Donc là, je peux essayer de le bourriner, mais bien comme il faut. À 3 attaques, voire même 4. Ah putain, comment tu sais que tu manques derrière, toi? Georges! Putain, mais Georges, il a eu cette... il avait une portée comme ça. Il m'a niqué mon armure magique en un coup. Hein. Ah, et puis ça va soigner, ouais. C'est ce que je craignais. Oh, putain. Les mages, en fait, il va falloir s'en occuper assez rapidement. Et le seul qui pouvait tuer rapidement, c'était mon voleur. Alors attends, j'ai le choix. J'ai le choix. Éventuellement, je peux charger droit devant moi et les faire tomber tous les deux, mais je me tape le boss. Mais j'ai aussi, j'aurai aussi les mages au cul. Et ça, ça m'arrange pas. Les mages, c'est pas sûr qu'ils vont te focus, toi. Pas sûr. Ils sont en posture. Ils ont utilisé tous leurs sorts de buff, à mon avis. Je vais me taper tout dans la gueule. Ah, ils vont peut-être vouloir. Ils vont vouloir taper qui, s'il te plaît? Je suis seul à porter. Mon fufu. Ah, c'est encore pire. Il a porté, il a pris les dégâts. C'est encore pire. La pirate, il est soigné, donc ça sert à quoi que je le charge, quoi? Faut que je laisse venir à moi. Bah, tape sur celle devant, toi. Ouais, mais attends, qui est-ce que je peux buff après? Je vois que... Alors, toi et ton archer, vous avez plus d'armure. Je préfère te buff, toi, quand même. Oh, oui, quel raté! Oh, oui! En plus, ils sont buffés, mais jusqu'au troufion. Il n'y a plus d'armure, il n'y a plus rien, lui. Ah ouais, vas-y, fais-moi du kung-fu. Ouh. Eh, mais stop! Oh la vache! Putain, et kung-fu elfique, quoi. C'est pas du taijutsu, c'est du elfino-jutsu, quoi. Pire que de la boxe thaï ou de la boxe française, tu sais. Wouksh. Ton squelette, il aura de quoi attaquer? Techniquement, oui, et j'ai pas usé adrénaline, je crois. Mais je peux pas le vérifier, là. Ça rien, c'est l'électricité, ils sont tous buffés contre la magie. À la limite, après, vu qu'on va bientôt level up, faudrait qu'on en tue un pour regagner tout notre vie, tout ça, quoi. Mais faudrait pas que quelqu'un crève, quoi. Ton archer plutôt. Non, vise surtout pas le squelette. Hein. Non, non, mais je cherchais ta vie à toi. Chaque fois j'oublie, c'était un squelette. Vise pas Fane, hein, parce que sinon il va crever. Hein. Là, il arrive, parfait. Je vais pouvoir le faire tomber. Alors là. Bon, je vais tenter ça. Par contre, je vais être assez faible pendant le prochain tour.
Limite, si tu veux soigner mon squelette, tu me balances une fiole de poison. Pas de soucis, Snowbeer, bon appétit. Bon appétit, Snowbeer. Putain, il va pas tenir. Oh, ça va, j'ai du bol. Hey, bisous, mes bébés. J'ai plus d'enchantier. Snowbeer, t'es commence à être un peu trop proche, c'est pas bon, ça. On rajoute une règle pour les modérateurs. Ne pas utiliser de surnom trop mignon, c'est... Voilà. Bon, ça régène que la vie, mais c'est déjà ça. Je vais envoyer mon... Aïe! Ah, puis en plus, là, l'elfe, elle a que de l'armure magique, quoi. Paf, paf, paf. On va faire lever de bouclier. Et on va faire... piétinement guerrier. Quoique non, encore mieux. Ouais, mais non, ils ont tous les deux de l'armure magique. Donc, piétinement guerrier. Hop là. Tombez par terre, vous deux. Et après, il y a percé. Tout le monde est trop loin, hein, de toute façon, pour avoir le buff. Faudrait que tu deviennes, tu vois, juste à côté de la corniche, en fait. Là, pour que tu puisses bénéficier. Je veux bien, mais ça va prendre... Si tu peux, après. Je pense. Ah. Juste en haut de la... Je suis obligé pour les avoir apportés. Parce que, en fait, je buff personne, ça sert à rien, quoi. À moins que je dois bourrer le boss. Aïe, aïe, aïe. Oh ouais, oh ouais, oh wait. Putain. Non, mais toi derrière lui. Je serais plutôt tenté d'attaquer les mages, moi. Comment c'est impossible d'aller là? C'est fermé? Ah non. C'est juste que je n'ai pas la portée. Comme tu le sens. Bah après tu te diras avec les gris je suis censé être protégé donc Parce qu'ils peuvent venir, regarde il y a une porte juste à côté. Ouais bah enfin, au pire ce que je vais faire, me placer là, parce que sinon parce qu'en fait j'ai pas assez de PA pour faire quoi que ce soit. Et au prochain tour au pire je me mettrai à côté pour l'attaquer par derrière quoi. Oh oui ton blob. Blob. Je vous présente Blob. Blob. Ou alors t'envoies ton Blob pour les mages. Bah il est pas éternel hein. Il a un nombre de tours limité. Ah ouais, puis il a pas d'armure magique, ouais, donc non, il sert à pas. Bah je dis ça, mon squelette il a même plus d'armure, y'a plus rien. J'économise ma PA. Si je bouge, il va avoir attaque d'opportunité, je pense. Il y a de fortes chances. Ouais. Hein, c'est un boss. Fais chier qu'on a personne qui a mettre du savoir. Il faut que l'os apprenne à mettre du savoir. Parce que là, sinon, on va jamais savoir pour les mobs. Écoute, Blob, il va aller t'aider là-bas. Ah ouais, lucidité, c'est bien en fait. Augmente la perception, tout ça, ouais. Ah ouais, je te l'ai filé exprès. Je me suis dit que ça va servir. Mais je sais pas si à haut niveau, je vais lui en faire une lame noire. Ah par contre, excuse-moi, j'ai eu le petit point, le temps qu'il fasse son retour. Hâte, donc là il va se dépêcher de rush, hop, attaque d'opportunité. Ouais bah je crois que le mage il rush, ouais. Ah putain il a enflammé le truc enculé. C'est bien pensé. Alors, normalement si je charge lui devant, les deux tombent. Et voilà. Toi t'es endommagé, toi aussi, mais vous êtes quasiment tous les deux full life. Ouais, forcément, ouais. Oh la vache!
38. Putain, je fais quoi? Lui, je peux le tuer. Oh la vache! Mon gars, t'as... Ah putain, puis en plus, il s'est mis... Ah, fait chier! Wow, il m'a mis cher. Ah, il t'a mis cher. Et le problème, c'est que là, avec mon voleur, je peux même pas lui faire une attaque sur sournoise parce qu'il s'est il s'est placé en sorte que je peux pas. Ouais, il est sur la corniche. Ouais. C'est pas grave, occupe-toi du mage. Putain. Le problème, c'est qu'est-ce que tu... Est-ce que tu vas tenir? Éventuellement, j'ai un parchemin de soin sur mon... mon tank. Je peux essayer éventuellement de lui baisser son armure magique. Je suis à portée ou pas? Non, cible chemin bloqué. Donc laisse tomber. Et encore, je t'ai mis sous fortification. Waouh. Ouais, ou alors tu le re-téléportes. Mais dis-toi, il fait 38 dommages par coup. Et chaque coup qu'il donne, il récupère un peu de points de vie. Là, si t'attaques deux fois, t'es mort. Le mec le soit faire. J'ai soif. Pour le temps qu'il retient toujours les deux, hein, mais j'ai plus qu'une seule option après, c'est la provocation. Faut achever celui qui est au sol là-bas, mais je suis mal placé pour. Bah après, si tu comptes faire maladie. Faudrait que tu prennes ma place. Faudrait que tu prennes ma place et que je prenne la tienne, quoi. Le problème, c'est que je sais pas comment faire là, pour te prendre ta place. Je sais pas. T'as déjà bien en plus. Tu vas sortir du feu. Ah, évidemment, un dague. Un dague plus. Oh putain! Je serre les dents. Alors attends. Ah, elle est pas mortelle. Parce que là, j'ai pas bélier, hein, donc je peux pas me rapprocher. Et moi, je me concentre sur l'elfette parce qu'elle fait très mal. Ouais, puis elle a pas d'armure. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je te claque un parchemin de restauration ou pas? Claque ce que tu peux. Bah là, je suis à full vie, non? T'es en full life, donc ouais, c'est pas utile. C'est au tour suivant. Et puis j'ai pas levé de bouclier. Au pire, faudrait que ton blob se place à côté du boss. En espérant qu'il aggro. Ou du mago, si t'arrives à le tuer, ouais. Du coup, je vais faire ce que je peux comme dégâts. Oh, il est presque mort. Non, il a pris un peu de coup. Ah putain. Ah, quoique, je peux le choper avec bélier. En plus, il a plus d'armure, je le ferai tomber. Donc c'est plutôt bon signe. Par contre, on est trop loin à s'occuper du match sur le côté. Oh, bien vu! Ah, du coup, je peux m'occuper de l'elfette avec le voleur, bien vu. Par contre, ce qui me fait chier, ça va être le match parce que je sais. Ma PA. Ouais, par contre, le match sur la droite, je sais pas comment on va le choper. Hein. Il va venir tout seul. Deux attaques, ouais, moi je la tue, ouais.
Quoique... Ouais, non, attends. Je vais mettre... Ah, dommage. Alors, encore un peu, j'aurais pu essayer de l'endormir, mais je vais devoir, du coup, le saigner. Ah, quoique, faut que j'avoue ça. Ah, hémorragie échouée, putain, c'est étonnant, ça. Bon, bah, elle va rester au corps à corps, elle a pas le choix. Oh, joli le critique. Ah, il va essayer... Non ! Putain, j'aime pas les configurations de map qui donnent trop d'avantages, quoi. Regarde ça, bim, allez. Ah, merde, je pensais avoir assez. Bah, tant pis. Je vais faire en sorte qu'elle survive, hein. Oh là, c'est lui, il va me casser les pieds. Heureusement qu'il est malade. Ouais. Par contre, le mage me casse vraiment les pieds. Le mage à côté me casse les pieds à un point, t'as pas idée. On va y arriver. On va y arriver. T'as vive l'anneau, hein. Moi, je te le dis, hein. Carrément. Il a pas assez de PA. Ah putain, il a fini de niquer mon arme. Alors, contre-coup, est-ce que j'ai accès à lui? Oui. Oh, je peux le tuer avec du bol. Ah, puis en plus, je vais pouvoir faire coucou à l'autre. Ouais, si j'ai baissé un peu, pas tout. Hey, plus de grillons, je m'en prends plein le cul. Je pense pas que tu puisses tirer aux flèches, quoi que... Ah ouais, tu peux me l'achever. Ah oui, ça va m'aider. Intéressant. Ouais, je peux le mettre à terre. Je vais retirer. Ah, mais je crois que c'était blob. Il y a de la glace. Je pensais que c'était le blob que je visais, bah... mais non. Ah merde, la cible est trop éloignée. Fait chier. J'ai pas... Franchement, là, mon voleur, il est tellement mal au point. J'ai plus de PA. Je vais... Il va se battre. Planque-le. Je vais le planquer. Ouais. Attends, si je peux le foutre là. Levé de bouclier. Enfin, je vais pouvoir prendre un petit peu de répit parce que putain. J'en ai marre de m'en prendre plein le cul. Bordel.
Fais gaffe à pas qu'il glisse ton blob. Comment il met des coups de bâton lui? Je vais m'arrêter, ça sert à rien à la limite quoi. Ça sert à rien quoi. Non, je peux le laisser là. Je peux le laisser. Je te laisse l'achever là. Bon, par contre, j'en connais un qui va râler parce qu'il va lâcher son gros marteau, je parie, et qu'au final, il y aura personne qui pourra l'utiliser. C'est trop ça. Bon, juste pour le troll. Quoique, je peux me mettre dessus, ouais. Au moins, l'attaquera pas. Ça manque de tentacules, tout ça. Exactement. Oh putain, oh, t'arrives quoi. Eh bah putain, ce combat on en aura chié quand même. Mais c'est passé. Masse du marteau magister, effectivement. Rune de maître petite taille. Ah, oh, c'est. Armure magique, armure physique et défense. Ah, oh, ça peut être bien. Ah, oh, c'est bien pour mon tank ça. Tu. Non, c'est moi qui ai commandement. Donc je vais le prendre. Ah, bah, bras enclenché, j'ai pas d'elfe avec moi. Donc je peux pas vraiment le prendre. Le marteau, qu'est-ce que je fais? Je te le passe ou pas du tout? Bah, passe-le, je vais stocker de toute façon. Je l'ai envoyé. Par contre, elle doit être un peu lourde la masse. Lance en force. Ouais. Ah ouais, putain, ils auraient laissé quoi. Ah, y'a des gros tableaux, tu veux repartir avec un tableau? Alors attends, on a nos persos à eux aussi, tiens, j'ai oublié de passer. Alors, on a. Attributs. Alors. Moi j'ai une classe en commandement, donc ça c'est cool. Alors, commandement, je suis à 3 en défense, ça c'est génial ça. Et à toutes les résistances. Sinon après, je peux augmenter l'art de la guerre et le géomancien. Géomancien niveau 3, ça fait quoi? Grâce aux compétences et potions. Bah, le problème, c'est ce que un truc que j'aime pas, c'est art de la guerre. Les attaques infligent des attaques physiques. Les attaques physiques infligent 10% de dégâts. Et à une main, c'est 5% de dégâts plus. Bon, je vais prendre quand même parce que je trouve que je loupe quand même pas mal mes coups. Et après, c'est. Ah ouais, non, d'accord, ok. Non, c'est bien comme le premier, faut bien cumuler les points pour améliorer son bordel. Constitution, mémoire, perception, intelligence, dextérité. Ouais, je peux encore prendre un point en force. Je vais mettre plutôt un en force et un en mémoire. Et après, j'ai rien d'autre. Ok. Bon, pour l'instant, je peux pas débloquer. Maître du sabbat. Ouais, bah ouais, non, il donne pas les points pour. Toi, dextérité. Et perception. Parce qu'on n'a pas beaucoup de perception, je trouve. Après, j'ai à deux armes. Fripouille. Et c'est tout. Ah d'accord, de base en plus ça augmente, d'accord. Bah écoute, j'ai augmenté Fripouille parce que c'est vachement utile, ça augmente aussi la vitesse de déplacement. Ça c'est bien ça. Par contre je comprends pas, un coup c'est 2, un coup c'est 1, je comprends pas. Là ça me coûte 1. Attends, retirer point, je comprends pas. Annuler. Et attends, non. Compétence. Ah j'ai pas compris là.
Ah, j'en ai plus, merde. Du coup, je l'ai mis là-dedans, c'est vrai. Ouais. Bon, ok. Deux armes, ça fait quoi? Ça augmente les dégâts et l'esquive. C'est vrai que pour le combat, c'est pas mal, quoi. Mais fripouille, c'est bien, ça augmente ton multiplicateur de critique, quoi. C'est goldé, quoi. Et après, il y a attribut que ça n'a pas validé. J'avais dit perception. Non, retirez point. Perception et dex. Ok. Est-ce que tu peux m'envoyer la couche, s'il te plaît? Si c'est pas déjà fait. Je regarde. Info. Ok, merci. Je te l'envoie. Le mage, on l'a été fouillé. Celui là-bas a été fouillé. Lui a été fouillé. Je vais aller voir au niveau de son truc s'il n'y avait pas un livre ou quoi à lire. L'art de la guerre, toi, tu t'en sers pas? L'art de la guerre, si. C'est mes capacités de guerrier. Pourquoi? Tiens, là, bouquin. Je pense que t'as besoin. Piétinement guerrier, je l'ai déjà, donc éventuellement, je te le rends si tu veux le vendre. Je te l'ai envoyé normalement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tableau de machin, ok. Livre somptueusement relié. La source, c'est une affection innée. Nous sommes marqués par son étrange pouvoir de destruction et de création. D'accord. Bon, je prends le bouquin, parce que c'est un bouquin important. Attends, me dis pas que c'est là la sortie. Attends. Bon, je vais le détruire, parce qu'honnêtement, ça me fait chier de balancer. C'est pas que j'ai pas de force, mais ça me fait chier. Ah, t'as débloqué quelque chose? Sa pièce. Ah bah merde, attends, j'arrive. J'ai découvert sa pièce. J'arrive. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une porte. Hydrosophiste. C'est évent. Le plus de sang qui afflige l'hémorragie aux ennemis. Ah, oh, ça c'est bien. Ah, c'est un bouquin de machin? Je pensais que c'est... tu m'as dit hydro, je pensais à l'eau. Non, c'est hydrosophiste. Par contre, il manque un point pour l'utiliser. Une masse à une main, je regarderai ça plus tard. Crée une pluie de sang pour un mec comme moi qui utilise le sang. Je vous. Action, lire. Ok, ça ne. Ah si. Qui cherche trouve. Verscribe, 7ème partie. Ouais, donc ça va être un hop. Oh, bonne fortune, j'ai du bol. Un chemin de raise, c'est bien. And you thought Rivelon was flat. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Globe, coffre. Ceci que je viens de lire. Livre. Merde, j'aurais dû lire. Fain a utilisé la clé du magister, ok. Alors, parchemin d'armure de givre, je vais le donner à mon tank, parce que ça peut être utile. Et des bottes d'écailles en cuir brut nécessitent 11 de force. Je vais regarder si mon tank ça lui va. Ah ouais, effectivement, j'avais des bottes de merde. Qu'est-ce qu'on a là? Tableau représentant un chevalier. Hop, on prend lire. Cours des 7 jeux déjà lus. Encyclopédie de la flore, ça va nous apprendre des trucs. Griffe de la fourberie. Ok, bureau. Essayons d'ouvrir ici, voir si toi t'as la clé. Où ça? Ouais, t'as déjà fouillé le reste ou pas? Moi j'ai regardé vite fait, mais on va continuer.
Arme ingénieuse, le surin. Ouais, à mon avis, j'ai dû déjà le lire celui-là. Effectivement. Alors, je regarde. De l'origine de Lucienne, tu l'as lu, j'imagine. Ok, on va voir, c'est tout. Je vais regarder si j'ai la clé, ouais. C'est verrouillé. Après, la porte n'est pas très costaud. Adresse insuffisante. Il y a une échelle éventuellement, ça sert au... je pense que ça sert juste l'office de raccourci, donc au pire, si tu veux, je la cogne ta porte. Hein. Attends, ah pourquoi il me le verrouille plus? Allez hop, on attaque. J'aime bien la sauvegarde en plein milieu du défonçage de porte. Tout un art. C'est ça. Allez, vas-y! Ouais, regarde, c'est juste un raccourci. De la corde, ça c'est bien pour le craft. Bah, c'est bien, on l'a déverrouillé comme. Crochet de cambrioleur. Marteau clou, par contre, je prends. Pince, je prends. Là y a rien. Par contre, Fain, tu vas me prendre les crochets. On va les vendre. C'est la merde. Ouais, bah je crois qu'il y aura un moment craft, hein, parce que waouh quoi. Ah ok, il y a un truc là. J'aime ne pas trouver ces trucs, ça m'énerve. Là, ok, t'as mis ça, mais ça déboule où en fait? Ça déboule sur le camp? Bah ouais, comme ça on peut aller vendre tout de suite. Tu veux qu'on retourne... Ah, on va retourner voir l'elfe. Après, je sais pas... Ah bah si. Si, si, j'ai un bon vendeur en contact. Donc on va faire ça, ouais. Je vais juste faire le tri dans l'inventaire pour dire qu'il me balance un peu... Hop. Faut que je trouve quelqu'un qui a des PO pour vendre mes merdes. Je sais pas. T'avais acheté au pire la dame à qui t'as acheté tes sorts de machin. Tu l'as tué peut-être. Elle a pas de PO. Ah merde. Non, elle est vivante, mais elle a pas de PO. Alors toi par contre. Hop. Alors, valable en or. Alors. Hop, transférer à machin. Ça, non, ça, non, ça, non, ça. Oui, éventuellement. Ah, par contre, je suis obligé à chaque fois de faire ça, c'est chiant. Et après, c'est tout. Il y avait que ça qui était intéressant. Ok, mon inventaire à moi, trier en valeur d'or. Voilà. Il est où le vendeur là? Il est là. Je te rejoins à la grotte, qui est où? Ou alors. Il y a des parchemins ici, provocation, je l'ai déjà appris. Tourbillon, ça m'intéresse pas. Piétinement, je l'ai déjà. Enragement, ça m'intéresse pas. Coup handicapant, je sais pas si je l'apprends. Ça peut être pratique si je veux mobiliser quelqu'un, mais bon. Après. Il y a une baguette verte. C'est quoi ça? Étourdissement de Kalia. Applique l'état choc pendant un tour. Nécessite 10 forces. Ouais, elle est pas très puissante. Ouais, il y a juste un truc avant que je voudrais aller voir. Ouais, donc désolé, là, le rythme il se ralentit un petit peu. Là. C'est le moment shopping. Ouais, c'est le moment shopping, ouais. Le problème c'est qu'il a 900 PO, mais il a pu... Je regarde s'il a pas être intéressant. Eh, j'ai 9 à 11, c'est pas si mal. Attends. Il a une étole, mais c'est de la merde. Des baguettes nature, des baguettes... L'âge de limace. Ah, elle fiche pas de dégâts. J'ai 10 à 11 ici pour 89. C'est pas dégueu. Attends. J'ai quoi en masse? Ah oui, effectivement. Je peux partir sur une épée. Je peux pas la réparer? Ah si, c'est bon. Bon bah écoute, on va faire le shopping.
Alors. Ah ouais, mais elle fait 6 à celle plus 3. Ouais, mais non, je préfère full physique. Alors. On va troquer. Donc, déjà, tu vas prendre ma merde. C'est-à-dire. Gourdin de machin. Tac. Ensuite. Tac. Je vais peut-être en garder une quand même. Je crois que ça sert pour le craft. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, je peux te le dégager. La dague, je te le dégage. J'en ai deux, je peux peut-être en lâcher un. La masse de machin, je m'en cogne. Et pas espadon, presque. Oh, les noms ici. Ouais, après, c'est un peu le vin intersidéral, le truc. Ok. Ça, du coup, on est à 330. C'est pas dégueu. Du coup, je vais te prendre un type. J'ai 10 à 11 ou 9 à 11. Mais pourquoi cette différence? Bah, c'est exactement la même chose à part que c'est une masse. Puis elle est moins chère. Bah écoute, va pour la masse. Là tu me proposes 89 PO, c'est parfait. Ah tiens, ensuite il faut quoi? La fameuse cape. Ah ouais, mais c'est nul. Une targe en bois, j'ai beaucoup mieux que ça. Oh, des gants d'écaille, ça peut être pas mal. Et des bottes d'écaille brutes. Je vais prendre les deux là, parce qu'à mon avis je vais en avoir besoin. Et après, 225, ok. Maintenir, hop. Équilibre off. Voilà, c'est ça que je voulais. Pour commencer, c'est parti. Ok. Alors là, je vais avoir... Oh, effectivement, d'un seul coup, j'ai des meilleurs camps. J'ai une meilleure masse. Ok, toi t'as déjà une bonne masse. Ah, il y a l'armure peut-être. Après, j'ai pas d'anneau. C'est un peu le truc bémol que j'ai. Les quêtes, ça dit quoi? Parce que là, on a débloqué pas mal d'entrées. Après, les ordres d'avoir trouvé Migo, leur sorceleur. Le geste sur la plage est mort. On a Guess, le meurtrier, qu'on a pas vraiment résolu. Trouver l'entrée du complexe souterrain. Brûlant sans collier. Bah, ça, c'est mort. Enfuyez-vous de l'œil de la faucheuse et retrouvez le peuple de Sheila, ok. L'évasion. Départ, main dans la main. Et des gadouines à mener à bien son plan. C'est à cul-de-sac, il n'y a aucune issue par ici. Échappez-vous en passant par les catacombes. Échappez-vous de fort joie. Ou empruntez l'embarcation pour vous enfuir. En fait, quasiment toutes les quêtes nous disent de nous barrer, en fait. Ouais, soit on va prendre le bateau avec le gamin. Pas ça. Puis après, il y a toutes les quêtes aussi de nos compagnons qui se débloquent. Et je crois qu'on va faire on va prendre le bateau. Ah, mon ami. What do you need? Ce sera plus sain. Je sais plus par contre il faut aller passer. C'est là où se tirer. Ouais, attends, juste. Waouh! 6 mises à jour des quêtes? Bah, t'es passé par où? Je suis juste. Bah, regarde sur la map. Bah, je te vois pas. Merde, je suis tombé. I've spotted something. On peut pas remonter. Fais chier. I don't have the right. I need a shovel. Almost there. Bah, retourne là où il y avait le boss. Attends. Eh, j'ai trouvé une trappe. Grotte oubliée. Oh putain! J'ai trouvé une. T'arrives à baisser pour nos vies. Oh putain, t'es passé de l'autre côté? Ouais, je peux pas remonter.
Ah putain, bah comment t'as fait? Il y avait juste une échelle, j'ai cliqué dessus comme un con. Oh merde. Attends, j'avais ça. Attends. Canalisation des goûts, je peux peut-être rentrer par là. Est-ce que j'ai découvert une grotte? Ouais. Canalisation des goûts, je peux rentrer, je suis rentré. T'es bon, t'es rentré? Non. T'es rentré où? J'arrive. Ouais, la porte ici. Je dois aller souterrain. Ah bah, il a pour le coup, ouais. Ah, je suis là où on avait tué le... le boss qui torturait tout le monde. Ah, ok. Ah ouais, donc faut que tu avais une sortie là aussi. Ah, putain, fallait la trouver. Parce que là, écoute... Ah, carrément, elle était bien manquée. Là où il y a notre ami Sheila, là, tu vois, là, l'elfe qui veut qu'on retrouve les siens, là. Ouais. Et j'ai trouvé une grotte, à mon avis, c'est le complexe souterrain de Bracchus Rex. Écoute, j'arrive, je suis dans la ville. Et je vois où t'es, ouais. Je l'ai trouvé avec... bah en fait, j'ai amélioré la perception, en fait, de... du voleur, en fait, il a trouvé un accès. Ok. Combat ? Je comprends pas, pourquoi ? Pourquoi ? Ah putain, un garde magister, il y en a encore ! Exact. Ils sont deux. Bon, on va les trouver. Avec un chien. Je m'ai bloqué. Sors bloqué. Ah merde. Je sais même pas quel niveau ils sont. Ouais, doit pas mettre beaucoup hein, vu le peu de dégâts qu'ils font. Putain, j'ai eu de la bol de patrouille dessus sur eux que je me prenais dans la ville tout à l'heure. Attends. Coucou, je vais te manger des tacs dans les fesses. Attends, putain. Toujours aussi loin à se bouger lui. Le bol. Putain, y a juste elle, putain. Je crois que quand on va trouver un machin, elle va gagner en puissance, un truc de taré, quoi. Ouais, mais j'ai encore fouillé la vie, j'ai rien trouvé. Hein. Non, non, c'est... À mon avis, on a dû... À mon avis, ça doit être le... elle qui a... Je pense que c'était elle qui avait les sorts, et du coup... Éclair dimension. Les compagnons, ils ont pas de sorts. Non, c'est elle qui devait vendre des sorts. Non, je pense pas. Oh, ça peut être possible. Ouh, tu la sens l'attaque qui fait mal. Tiens, on va même enfoncer le clou, je vais me prendre 2 points. Allez, le chien, fais dodo. Il dort encore. Mon avis, Shay devait pas avoir grand chose. Oh, elle a des flèches. Je te les balance à l'os. Juste un tendon. L'os. Parchemin de putréfaction, je te le donne au cas où. Feuille de papier pour le craft et bouteille de potion vide pour le craft. Ok. Et faut que tu rentres dans la grotte. C'est pas le petit trou que j'espère que c'est pas le petit trou que j'avais vu. On non. Peut pas passer. C'est là, à gauche. Là. C'est vrai que par contre, le petit trou, y a pas vrai... toujours pas moyen de passer.
Ah, cherche pas le truc, à mon avis, si t'as un nain, ça passe. Putain, elle est raciste. C'est ça. Vous êtes un hobbit ? Pas de problème. Non, je suis un nain. Ok. Ça sent la planque, ça. Je dirais planque contrebande, j'ai limite. Un gros bout de bois, une masse à deux mains. Lol. Parchemin, puis je prends. Ah, il a pris la boîte en bois. Il a tout pris. Attends, c'est qui lui ? Seigneur Fanor. Bah, la boîte, j'en voulais pas. Attends, c'est quoi ce délire ? La lance de Bracus Rex. Quoi ce bordel ? C'est quoi ? C'est une arme ? C'est une lance, ouais, effectivement. Oh putain, elle est pas dégueu en plus. Mais ça a deux mains. Il doit y avoir un truc à déverrouiller pour voir ici. C'est bizarre, le mec il a fusionné avec le. Non, ouais, on doit pouvoir passer. Ah, attends, je vais checker avec mon voleur des fois qu'il a trouvé un bouton ou quoi. Non, il trouve rien. À moins que j'ai pas la perception nécessaire. Écoute. Ah ouais, c'est l'entrée. Je pense que c'est l'entrée du complexe souterrain, ça. Mais on doit trouver sûrement une plaque, quelque chose, quoi. Attends, je vais enlever ça pour voir. J'ai tout défoncé. Il doit avoir une plaque de pression, quelque chose, ouais. Attends. Non, il trouve rien. Je dois pas avoir la perception nécessaire pour le voir. Ça fait comme le premier, ça doit faire ça. Fait chier. Après, t'as des tonneaux qui sont vides, ouais, bon. C'est quoi, on a trouvé la planque. C'est bizarre que tu puisses trouver la planque et pas avoir la perception pour... Bah rappelle-toi, dans le premier, il fallait des fois une perception de malade pour repérer quelque chose. Donc moi je suis pas étonné. Hein. Attends, là il est bizarre, il y a un accès, ça a été verrouillé. Attends. Bizarre ça. Je vais taper la barricade aussi. Ah tu peux ? Ouais. Nickel. Bah oui, tu peux tout péter. Tu peux tout péter. Et voilà. J'ai bien en plus comment il range sa masque. Ça fait genre... attends, je vais passer avec mon voleur ce qu'il y a du poison. Attends, c'est un piège ou pas? Non, il n'y a pas de plaque. C'est d'ailleurs assez étonnant. Ok, il y a encore du poison, toujours du poison. Ah, du coup je me soigne, c'est le mec. Alors attends, qu'est-ce qu'on a ? On a bière de bouteille empoisonnée, caisse renforcée. Ces gars partagent pour bonheur avec Fane. Oh, c'est génial ça. Change the boss parce que tu t'en es bien servi la dernière fois. Des gants pour enfants. Est-ce que t'as des personnages qui ont pas de gants ? Alors, je vais dire ça. Inventaire, lui a des gants. Non, en équipement. Elle a des gants, mais deux d'armure. Ouais, bah c'est cela. Bon, bah je les laisse là parce qu'en plus ils valent rien. Tourte au poisson empoisonné. C'est chelou quand même. Tout est empoisonné ici. Je ressens un certain malaise ici. Oh merde ! Putain, le problème c'est qu'avec le poison vous allez avoir du mal à vous ramener. Alors attends, on va temporiser, tant pis, hop, on y va. Après tout, c'est l'armure magique qui prend. J'ai une grenouille là, pour limite je peux essayer de la défoncer assez rapidement. Elle est qu'à niveau. Elle est niveau 3. Ah ouais, effectivement, je la défonce vite quoi. Ah bah attends, elle a pas d'armure magique. Vas-y, fais un gros dodo. Je vais reculer comme ça.
Hé, quoi, quoi. Hé, mucus salé. ça sent le sel. Quoique, là, non, vous êtes beaucoup, je vais vous buffer, là. Quoique, il y a besoin de faire des attaques magiques, mais on sait jamais. Je pense que ça va être que du magique. Pour là, c'est que moi, magique, putain, je suis vraiment une merde en magique. Hein. J'ai. Ah ouais, quand même. Sur nain fondu. En fait, mon fait toi à l'envers, c'est magnifique. Mais c'est trop ça. C'est comme la première fois qu'on a fait le premier, on a tout fait à l'envers. Un petit contre-coup. Amphibia chargé. Oh putain, j'ai eu un cul monstre de pas me faire électrocuter. Carrément. Non, Max, c'est mon armure magique. Non, même pas, mon armure magique n'a rien pris, donc je suis coup de bol. Oh putain, je prends tarif, moi. Est-ce que je vais porter quelqu'un? Là, non, là, non. Ce que je puisse faire, c'est... te foutre ça. Ouais, éventuellement, ouais. Ça peut être cool. Lever de bouclier, même si je vais prendre des dégâts, ça me fait chier, mais bon. Bon, c'est 5 PA, mais au moins je peux être au corps à corps avec. En fait, avec Fripou, il faudrait que je trouve la compétence qui lui permettait de faire le saut. Là. Je sais pas si tu te souviens en premier, c'était vachement craqué ça. Hop, je fais un bon. Ouais. Hop, j'arrive derrière. Salut Tartar 2240. Salut. Alors, Tartar. Alors, tu fais référence à la mythologie grecque ou au steak tartare? J'espère plus à la mythologie. Et moi qui aime beaucoup la viande. Le tartare, j'aime, dans la viande crue rouge, j'aime pas, non. J'aime pas. Mon père, il adore ça, par contre. Je sais pas comment il fait. Ah, bah il y a un truc juste là. Ah, oh, bah je vais arriver derrière. Fromage. Ok, on est complètement au fromage. Ah ouais, on est vraiment à côté. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le fromage tartare, ouais. C'était pas un de l'ail et fines herbes un peu dans le genre là? Putain, par contre, le tissu à côté. Putain, défonce-le. Défonce-le. Il veut le téléporter. Ah, punaise, il va me casser les roubignoles ce truc. Oh merde, je vais le mettre dans le poison. Oh, quoi que j'ai encore de l'armure magique, alléluia. Ah non, je suis quand même intoxiqué. Il est malade. Ouais, bah écoute, pour maintenant. Allez hop, lui c'est fait. Alors qu'est-ce qu'ils offrent ces batraciens? Oh, une armure de magicien! Pour toi éventuellement.
L'intoxication élémentaire. Ah ouais, bah c'est ça quoi. C'est tout à fait ça. En plus, comme d'hab, si tu... enfin, je sais pas si tu connais la série, mais... Nous, on avait fini déjà le premier avec du mal. On va pas se mentir. Hein. Ah, mais au moins, on a du check service quand même. Bah après, la difficulté était un peu débile dans le sens où dès que t'avais atteint un certain niveau, en fait, avec les compétences, les combats, même s'ils avaient des niveaux de plus, tu pouvais à peu près gérer, quoi. Ah, c'était juste des combats, y'a rien à débloquer, là. C'est étonnant. T'as déjà dosé le 2? Eh bah putain, respect. Tu peux me lancer... Ah ouais, là, peut-être fait sur PC. Ouais. Tu peux juste me lancer le parchemin de restauration, enfin, un truc de restauration, plutôt que de me balancer ton truc. Tiens, je te balance un parchemin de résurrection. Pantalon, ça, on s'en fout. Parchemin de restauration Non. Je sais pas si je sais. Ton sort de restauration avec ton anneau. C'est ça que je voulais dire. Ah, tu veux que je fasse quoi? Je te soigne avec. Ouais. Ouais. Au moins, tu me balances pas ta couche et puis voilà. Pas ta couchette, pas ta couche. Tu ne connais pas l'utilité des paillasses? Bah, j'en ai pas. À moins que je dois en crafter une, mais dans ces cas-là, j'ai pas la recette, quoi. Mais les paillasses, effectivement, ouais, oui. C'est par terre. Alors, attends, c'est bizarre parce qu'il dit qu'il y a un truc là. Oh, ouais, non, en fait, il y a rien. Voilà, on trace après tout. Bah du coup on a terminé, on n'a pas accès du coup à la cachette, sûrement par manque de perception, c'est obligé. Sac de couche. Les grenouilles sont partis, les enfants d'assaut sécurité. Ah, il y avait une quête pour ça? Je me souviens même plus. À mon avis, t'as dû ramasser celui sur le pont en pierre et... Ah, dans le bateau. Oh merde. Bon bah ouais, effectivement c'est un peu débile. Attends, je vais parler du coup la dame. Et attends. Attends, c'est qui a dit que c'est elle? Je lui demandais si elle parle de tous ces gens miniatures que vous voyez un peu partout. Ah! Attends, j'ai une idée. Faut parler à un gamin. Pour le trou dans le près de la trappe. Tu peux en voler une à Godard. D'accord. Y'a pas moyen. Des gamins, moi, ils m'aiment pas. Ils t'aiment pas? Attends, bah je sais, moi. Non. Ils me disent que je pue. Là, arrière, vilain Hawk, tu transperces. Tous les enfants, t'aiment pas? À moins qu'il... À moins qu'on peut parler. Par contre, ça va. Ah, my friend. What do you need? Sentez pas bon, vous autres, les humains. Putain, ce jeu de raciste est bordel de merde. Ah ouais, en plus, Tartare, en plus, j'avais qu'à cliquer sur son pseudo, j'avais l'emballage du fromage. Putain, honte sur moi. Enfin, si je peux me permettre, tu as déjà trouvé la trappe de l'enfant. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai trouvé la trappe, certes, mais si tu veux, il y a forcément un mécanisme en fait dans la trappe qui donne accès. Merde. Voilà. Il y a forcément quelque chose qui permet d'activer le mécanisme. Ah, peut-être déplacer le corps, j'ai pas pensé. Examiner. Parce qu'il n'y a rien qui nous permet de rentrer. Et moi, je suis sûr, il y a un mécanisme que tu dois choper avec la perception. Et avec une perception assez élevée. Comme dans le premier, des fois, c'était un peu débile. Il fallait 16 ou 18 en perception pour trouver un mécanisme. Attends. Ah, attends. Non, lui, c'est moi qui les ai là pour m'amuser. Vous avez tué le squelette? Non, il était déjà mort.
Si tu parles du Seigneur Fanor, après si tu parles de Fane, je l'ai en tant que perso de voleur. Mais lui, non, il était déjà mort quand on est arrivé. Il y avait d'ailleurs la fameuse lance de Bracchus Rex, du coup, qu'on a pu choper. Qui est là. Oui. On a libéré l'esprit. Ah bah oui, Fëanor, mais oui, putain. C'est lui en plus. Oh putain, j'ai pas tilté. Pour info, on regarde pas. On regarde. Avant, oui, avant de l'avoir trouvé, oui. On a tout fait à l'envers. Mais ça, c'est notre spécialité quand on fait le jeu pour la première fois. Aussi bien dans le 1 que dans le 2, on fait tout à l'envers. Au niveau au pifomètre. C'est du grand n'importe quoi, on fait tout à l'envers. Dommage, j'avais plus d'XP en retirant la. Ah bah oui, mais bon. Pouvait pas savoir quoi. Mais je comprends que ça doit bien te faire rire quand même quoi. Il dit oh les cons. Par contre, Saiga, t'as pas beaucoup de. T'as pas beaucoup d'armure toi. Même magique. Ah, c'était à 44 quand même. 44-59. Et moi, je suis à combien? 71-26, ok. Bon, bah du coup, je pense qu'on peut avancer un peu. Vous êtes quel niveau? On est niveau 5. On est bientôt niveau 6. Mais si tu veux... si tu veux savoir la débilité de la chose, on a vidé le fort joie de tout magister. Même du juge et tout ça, on a niqué tout le monde. C'est vrai génocide. Ça a dérapé, voilà. Et on sait pas quand, mais ça a dérapé. Quand ça a dérapé, c'est quand il a tué la moitié du village. Oui, bon, parce que j'ai raté un vol. Mais c'est pas une raison. Donc là, pour le coup, il faut quitter Forgeois. On part là. Échelle cassée, c'est ça que t'as utilisé ? Vous avez même tué le magister Achille. Rafraîchis-moi la mémoire, Achille. Est-ce qu'il était là où il y avait le juge ? Ou pas du tout ? Parce que... Là, il n'y a plus personne, là. C'est ici que j'ai utilisé l'échelle. Ah, ok. Bah, je sais pas. À mon avis, il doit plus rester grand monde. Ah non, elle est en hauteur proche de l'entrée de Forgeois. Si c'est quand tu rentres sur la droite, non, je pense pas qu'on l'a tué. Elle est belle, Lou, quoi. Forgeois, toi, t'as joué en anglais, toi. T'as dû jouer à la... T'as dû le préco et jouer même en anglais, quoi. Oh, y'a... Attends. Consommer, moi, je sais ce que ça fait. Une intelligence, tiens, du harangue pour toi, Sega. Tu devrais le prendre. Ça donne une intelligence et ça rend 10 points de vie. Et le harpon, c'est une lance de main. Dommage. Quoique, il vaut peut-être bien sous le harpon, non ? Ouais, non, ça vaut rien. Non, mais je trouve le nom anglais plus fun. D'accord. Ah, parce que à la base, on l'avait préco. Enfin, ouais, on l'avait préco sur Xbox One dès que c'était possible, mais il n'y avait que le langage anglais. Honnêtement, cuiser la bouffe, c'est mieux. Ouais, puis sinon, on va choper des vers solitaires. Mais c'est vraiment plus, ouais, tu as une combinaison avec la bouffe. C'est vrai. Ah ouais, putain, attends. Les marais... Okay. Oh là, attends. On a atteint les marais.
Ah oui, aussi, truc à la con, on a pas retiré nos colliers aussi, on a vu que la forgeron, malheureusement, a eu une fin tragique. À grand coup d'épée dans la tronche, mais surtout de dague dans le dos. Cela veut dire que vous avez payé une seconde fois pour avoir la... Non. Non, moi j'ai juste payé une fois. Payé une fois. En grain prévu, tu payais, je sais plus... 40 euros, ça, tu m'as dit. C'est vrai, ça va être 30 ou 40 euros. Je vais te payer 70 actuellement. C'est qui ? Zéacar. Oh, un mort-vivant. Cool. Il m'aime pas. Re majeur 550. Ah ouais, effectivement, on n'est pas dedans. Surtout moi. A bloodstained sign reads The Hollow Marshes in knife scratch cursing. Effectivement, c'est con. Alors, il vend quoi? Je te rappelle, j'ai des compétences en troc. Oui, bah je regarde. Si tu veux jouer au pigeon, c'est genre le mec. Un bouclier, peut-être qui peut t'intéresser. Ah. Je suis pas sûr. M'en voit en moi, pas du rêve. Il vend des baguettes. Ah, peut-être pour toi les baguettes, ouais. Qui est légèrement mieux que ce que j'ai. Ah ouais, niveau 8 le Lascar, on peut pas le voler, tu sais. On peut pas le tabasser. Pour l'instant, non, c'est vrai que ça va être compliqué. Où ils vont? Oh là là, on aura une chevalière, ils vont une hache à deux mains. Ah, mais bon, c'est... Moi, j'aime bien le voleur. En plus, il est cool. Il fait mal. La chronique se poursuit. Promesse éternelle. À cause du pacte, peut-être que s'agir un vieux tour de Bracchus Rex. Putain, il est encore au centre de l'intrigue, lui, Bracchus Rex. Punaise, pourtant, on lui avait mis Tarif dans le premier. Alors, on a eu du mal à lui mettre Tarif. Tu peux lui parler. Alors. Oh, il a même un casque léger qui est, ma foi, sans. Oh, il y a une coiffe d'enchanteur. Elle était pas mal pour toi, d'ailleurs. Casque... Ah, ils vont cher, quand même. Ah, pareil. Et il a des gants, des doigts de lance-sort. T'avais deux en initiative pour les mages. Ils vendent des trucs plus que bien. Effectivement, le bouclier est plus que bon, oui. 34-23, je prends ce qu'il est bon. Attends, je vais partir. C'est con, on peut pas vraiment comparer à chaque fois, c'est chiant. Oh, ok. Ah ouais, le bouclier, c'est un must. Tu t'enfonces le joystick droit. Ah, merde, ok. Mais pour toi, t'avais des trucs pas mal. Il y avait le doigt d'ensorceleur qui était pas mal. Il y avait la coiffe. Qu'est-ce que j'avais repéré d'autre qui avait l'air pas mal aussi? Après, si tu veux pas dépenser des sous pour les sorts, éventuellement, je te comprends. Non, mais je regarde un peu. L'ascenseur, plus 2 initiatives, c'est vrai que c'est sympa. Mais l'autre me confère la compétence téléportation. Ah ouais, effectivement, je savais pas que t'avais ça. Bah ou alors tu te... Ouais, tu... Attends, bon, ok, bon bah du coup je vais regarder ce que je peux prendre du coup, vu que tu me dis qu'il faut comparer. Ouais, la masse à ailette, elle est pas mal, elle fait de la littérature d'état, c'est bien. Tu dis que c'est stick droit pour comparer, ouais. Ah oui, comparer, oui. Du coup, moi c'était ça qui m'intéressait. Ah ouais, 10-2, je passe à machin. Ok. Bah je vais troquer, hein. Donc désolé les gens, encore instant shopping. Je vais éviter de vendre la lance de Bracchus Rex. Hein. Épée de novice, ça c'est de la merde. Ça je vends. Oula, je vais éviter d'approcher, il y a plein de gardes au port. À moins que je vends un peu de rebut de métal. Ouais, mais le rebut de métal, de mémoire, ça sert pour le craft, quoi, ça me ferait chier. Bon, l'espadon, c'est de la merde, j'en veux pas.
Là, j'ai beaucoup de cordes, j'ai des troncs. J'ai trouvé n'importe quoi, en fait. Bon, on va dire que c'est bon. Du coup, 114. Alors, qu'est-ce que je peux prendre ? Caleçon en cuir. Oh oui, passe-moi le caleçon. Il y avait ça qui m'intéressait. Ah putain, je suis déjà à 178. Sniff. Après, j'avais dit qu'il y avait quoi d'intéressant ? Non. Ouais, oh, ouais, il y avait le bouclier. 311 quand même, l'enfoiré. Là, je vais craquer. Ah, je suis à quoi que je suis à 970, donc ça va encore. Ah, par contre, il y a des anneaux. Attends, il faut quoi ces anneaux ? Ah, plus un en fripouille. Putain, vas-y, quoi, tu me le vends. 472, quoi. Pareil, l'anneau là, punaise, ça augmente ton armure magique. C'est bien ça. Maître des marées. C'est quoi ? Un bâton. Oh putain. Il est pas mal. Parce que t'aimes pas jouer bâton. Non, j'aime pas jouer bâton. Bah du coup, je vais prendre... Putain, le bouclier est vraiment pas mal, quoi. La masse aussi, elle est pas mal, mais ça fait cher, quoi. Je tombe à combien ? À 489. Donc je dois mettre un peu plus de 300 de ma poche. 375. On peut toujours faire le troc, hein, je crois. Scindé. Si je le laisse à 300 et des poussières. Allez, 327. Ah putain, c'est dans le sens inverse. C'est chiant. Donc faut que j'enlève ça. Est-ce qu'il va accepter ? Votre offre est insuffisante. Ouais. Bon, bah écoute, tant pis. Je sais pas comment ça trop commercialiser, surtout si je gratte 50 PO. Donc j'ai pris le bouclier. Bah éventuellement, je peux te passer encore le l'ancien à moi, du coup. Bah passe. On voit assez gars. Normalement, il est meilleur. Hein. Plastron de Migo. Et après, c'était... Ouais, c'était ça. Ah, là, il commence à avoir de la gueule, mon lézard. C'est ça que tu l'as envoyé. Ouais, c'est égal, je te l'ai envoyé à toi. Ah, ça va, il cache quand même. Non, bah écoute, j'ai... Ouais, il est très légèrement meilleur. Bah, prends-le. Eh, sinon, mon lézard, il semble enfin à quelque chose avec ce coiffe. Il y a juste l'armure limite qui manque un peu, mais sinon, là, on est quasiment full les cailles, c'est parfait. Regarde, il y a des copains là-bas. Encore des magistères ? Ouais, je crois. Oula, qu'est-ce qu'on a encore foutu? Ah merde, attends, faut que j'aille chercher de quoi recharger ma manette. Désolé du coup. C'est au niveau 4. Bon, moi je vais me placer là. J'ai rien. Ben, je savais même pas qu'il y avait un port là. Après, je sais pas, ils sont quel niveau. 4. 4. Niveau 4. On est 5. Sachant que moi, j'ai bien pris en défense là. Je me suis bien boosté là. On a un avocateur en face ou comment ça se passe là? À moins que c'est toi. Non, c'est moi. Oh! C'est un nouveau mignon? Re-snobile. Ouais, j'ai mis un point d'invocation. Ah, ok. T'as mage du sang et avocateur. Je dis putain, ça va être n'importe quoi ce perso.
Oh putain, il y a la patate d'archer. C'est compliqué. Mais c'est qui lui? Le magister chevalier niveau 4. Alors en plus, il est remonté à bloc. Un moine silencieux. Je crois qu'on va faire un goulot d'étranglement si on peut. Mais je serai seul à... je vais me mettre comme ça. Ah, c'est con. L'archère, elle aurait pu se mettre là. Limite, je... Non, je crois qu'on va pas faire le goulot d'étranglement, ça va être horrible. Ouais, bah apparemment, Frangin n'est pas si vite que ça. Hein. Vu le port complètement qui reste. Ok. Écoute, je vais me placer juste là avec le tank. Hop. Punaise, c'est quoi ça? Je suis à la catapulte ici. Putain, en plus en armure magique, je suis pas balèze du tout avec lui. Oh, génial. J'ai l'impression que ça va être le nombre qui va faire qu'on va se faire... Ouais, je crois que le nombre, il va avoir raison de nous, en fait. Bah, le... Ah ouais, effectivement, il y avait un accès au port. J'ai pas fait attention. Ah, j'avais pas capté. On fait rien dans l'ordre, nous. Tourbillon. Logique. Alors là, le problème, c'est que si jamais je le mets trop en avant, lui, il va se faire mais totalement démonter, là. Je parie que son... Ouais, c'est... Quoique, les moines, c'est full armure magique, hein. C'est... Donc ça peut être super rapide à tuer, hein. Je t'avoue que je sais pas par où commencer en fait là. Je vais me placer là. Je peux pas lui. Bon tant pis, je vais affaiblir celui-là. Je vais attendre qu'ils vont tous se rush sur lui. Non mais... Moi, je veux juste le déplacer, mais c'est con. Ah bon, il a pas pris l'aggro, c'est quoi ce bordel? Il a pas pris l'aggro. Bon, après, il va se faire démonter, c'est pas ça le problème. Il était venu à côté de nous. Non. Ça pue. Ça sent attaque électrique. Oh putain les salauds. Je vais essayer de monter à l'escalier, mais à mon avis il va se faire choper au plein vol lui. Ah ouais, ce serait nickel que j'arrive à monter là-bas en haut. Genre un gars des gars. Quoi manquer? Oh punaise. Mais c'est pas, mais c'est total. Ah ouais, 76%. Comment ça se fait que j'ai une baisse de vision comme ça? Ah ouais. Parce qu'il a pas dû. Il a pas dû. Alors je sais pas ce que branlent les archers, mais c'est bizarre leur histoire là. Attends. Bélier. Du coup... Non, ça sert à rien, je vais gaspiller une attaque peu de pour rien. Tu vas résister un peu, toi. Bah, levée de bouclier, je vais pas avoir le choix. Et... Ouais, non, c'est que de l'attaque magique. Ah, oh, punaise. Donc du coup, on arrête.
Évidemment, restauration, putain. Tu sens que ça va être galère, quoi. Ça lui a renu, écoute. Le combat, il va durer une plombe. Encore une vidéo qui va durer plus de 2 heures. Ah ouais, non, mais ça soigne à tout bout de champ, quoi. Oh, là là. Oh puis en plus, ça retire les statues, là. Oh là là, tu sens que c'est... Oh là là. Puis en plus, ça attaque deux fois. Tu sens que ça va être la merde, quoi. Oh, il en veut. En plus, putain, il faut des attaques surnoises, en plus. Là, par contre, ça pue. Je pensais pas qu'il était des attaques surnoises. C'est ça, il doit la perdre. Parce que là on a blessé personne quoi, puis on n'a pas d'attaque électrique. Oh bien joué la maladie là. Ouais à la limite je peux encore faire tomber beaucoup de monde là. Par contre ce que je comprends pas c'est pourquoi il y a... Ah d'accord il y avait une flaque d'huile juste là. Oh par contre tu vas prendre cher. Vraiment de la merde. Le problème c'est que je sais pas s'ils ont un avis loin. Ah non. Oh putain j'ai du bol. Regarde le nombre d'attaques qu'on va manger après. Ah et puis là ils vont viser les plus faibles. Oh je peux faire aboutir là. Après je vais essayer de t'apporter. Est-ce que t'es à portée? Oui. Donc éventuellement je peux faire ça pour malheureusement que ton archer, mais bon ça se prend quand même. Attends. Faut que je regarde. Alors lui chevalier il est endommagé mais il peut se régène. Oh ouais putain ça va être la misère à jouer sur sa cible. Quoi qu'il reste plus que 29 points de vie. Allez hop. Ben, comme d'hab, j'ai envie de dire à Snow. Bon, normalement, on n'a pas opportunité, donc. Oh punaise, on veut que t'es volontaire. T'inquiète pas, je lancerai provoque à la prochaine. Oh, jour. Oh putain. Jour. Mais jour, quoi. Ah, puis t'inquiète pas, il loupe pas. Oh oui. Oh putain. Il va crever encore lui. Le pire c'est que je te fais un de ces packages quoi, c'est... Oh, ton assassin est pas apporté, fais chier. Bah, me dis pas... Non. Me dis pas que t'as voulu refaire... Si, me dis pas que t'as voulu refaire restauration. Parce que là, j'ai pété un plomb. C'est un réflexe. Réflexe. J'ai baissé par contre légèrement mon micro. J'ai l'impression de gueuler un peu, non? Voilà. Non, t'as la dégaine de ton perso, putain. Ah ouais, quand même, ça se le cale, quoi. Non mais... Au calme.
Bon. Est-ce que j'ai une fiole de poison? Oui. Je suis empoisonné. C'est pas ça que je voulais faire. Ah si, je suis empoisonné. Donc ça veut dire que je peux me régénérer ou pas là? Oui, je vais me régénérer pendant 2 tours. Je vais utiliser... Putain, et la strat du cul que je suis en train d'utiliser, c'est n'importe quoi. La strat du cul, quoi. Heureusement, je t'ai demandé d'attaquer. Hein. Bon, ça fait chier parce qu'il restait vraiment qu'un chouïa de points de vie. Hein. Ouais, ça sert à rien. Oh putain! Évidemment. Oh putain, en plus, c'est pas des petites levées qu'ils font, hein! Ah, mais bon, j'ai pas claqué 16, ou encore de l'armure magique. Pour le proche. Quoique. Ouais, si pour le prochain tour, c'est quand même 3 levées. Je vais essayer de soulager si je peux mon assassin. Putain. Je m'ai bloqué. Non? Non, c'est. GG, bien. Là, ça a touché quelqu'un, oui. Si tu pouvais. Enfin. J'aurais plus demandé est-ce que tu libères plutôt mon assassin, mais c'est pas grave. Parce que bon, même si j'ai. Ouais, bah là, non, il va pas résister, quoi. Oh putain. T'as l'esquive qui proc pas, quoi. Attaque sournoise, ouais. Non, je suis mort. Putain. Bon bah voilà. Oui, on a perdu. Hein. Cherche pas. Cet homme de peu de foi. C'est pas peu de foi. T'as quelle autre source de dégâts? Moi, voyons. Allez, tu vas nous lancer ton fameux sort là. Allez. Bah non, même pas. Faut que tu le fasses. En fait, ton bluff, faut que tu le fasses péter quand il a rat de crever, en fait. Ça va être plus simple parce que sinon, c'est pas la peine, quoi. Ouais, mais s'il se barre du blob. Il a attaque d'opportunité, au pire, tu leur fais un peu de dégâts. Hein. Puis au pire, tu les rattrapes, tu le fais péter si vraiment après c'est urgent, quoi. C'est celle qui me fait chier. Ah, je sais bien, le problème c'est que je peux pas faire grand chose quoi. Bon, moi j'ai un temps de répit, j'ai récupéré levée de bouclier. Ouais. Elle a encore un tour ou pas de restauration ou pas du tout? Parce que je peux. Ouais, si elle a encore un tour, donc c'est rien que je lui balance. Sauf s'il la focus, on va finir par son tour. Il me reste 2 points d'attaque, ça sert à rien que je fasse une attaque de feu. Et j'ai rien d'autre, je crois. Non. Ah, ça va, tu prends 23 points de vie et 10 points d'armure, quoi. Elle te fait pas aussi mal. Bien. Eh, quoique en grattant, à force, peut-être on va gagner un level, tu sais. Oh, 16! Ah! Ouais, bah tu le feras péter.
Putain, c'est ce que je te dis. Ouais, mais putain. Ça... Quelle idée aussi. Je claquerai un sort de restauration au pire sur ta son archère. C'est chiant qu'on a pas de vrai healer par contre. Non! Mais genre, mais. Ah, quoique, attends. Ah putain. J'aime bien. En fait, toi, t'es tranquille. En fait, ton perso, lui, est tranquille. Je peux faire ça. Est-ce que. Éventuel. Ah putain, dommage. Je suis pas à port... J'ai pas le bon angle. C'est dommage. J'ai. Ah, 24. Je fais combien que le lancer? Je peux la tuer éventuellement. Tant pis, j'ai pas le rebond, mais au moins elle est morte. Et juste pour moi, parce que. Je préfère me protéger. Oh merde! Oh non. Oh non, ça va, tu peux le faire péter. Oh non! Oh putain, dommage. M'en douter. Oh, c'est pas grave, il les a occupés, du coup ton archère elle peut s'occuper de ceux qui cassent les couilles à distance. Ah, puis ils vont venir vers moi, donc du coup, quoique. Non, non, ils vont venir sur moi. Oh, ça va si c'est toi, ça va quoi, t'as rien pris quoi. Ah, j'ai cru l'archer, tu vois. Putain, mais je suis en hauteur le pire. Ah, bien ça. Ah, lancer de fossiles à la con. Ça va me bourrer. Ta bombe à clous, quoi. Attends. Je peux en mettre deux par terre là, éventuellement. Et je sens que je vais faire ça et je vais te claquer un parchemin de restauration. Ah, j'en ai deux, tu me diras. Allez, go. Bon, au moins, il y a un archer qui pourra pas t'attaquer parce qu'il est à terre. Je vais prendre cher. Et après, si tu veux, au pire, j'irai charger l'archer qui est en face là. Attends, on va y arriver, mais putain, ça aurait été dur, hein. Il y a juste, je te prierai de res quand même, fail.
elle gaspille un levé. Elle gaspille un levé de bouclier sur un blob, quoi. Alors, je vais charger. Alors, tu me dis si c'est une bonne idée, hein. J'ai deux possibilités. Soit je me concentre sur les deux qu'il y a au corps à corps et je peux tuer celui qui te fait chier. Et j'ai éventuellement aussi la possibilité de charger un archer en face. Donc, je vais charger celui qui est pas à ras de crever, c'est-à-dire celui-là. En plus, elle joue juste après moi, c'est parfait. Oh la vache, tu prends tellement tarif, quoi. Voilà, t'es le ranger, parfait. Ah, puis là, ton bloc, tu me fais péter, là, c'est rentable. Ouais, bah ça va être le but. Décider de se barrer. Bah écoute, je vais aller achever celui-là. Voilà. Et moi je vais me... Ah non, je peux faire éventuellement ça. J'en ai un peu besoin, t'en as besoin. Allez, hop. Adieu, j'ai vendu. Et je vais me coller à elle si je peux. Voilà. Putain, mais elle a dû prendre un paquet de dégâts. Pfff, c'était n'importe quoi. Putain, mais on dirait qu'elle fait du kung fu avec son machin, tu vois, elle le jette en l'air puis elle donne un coup, tu vois, comme ça, je pille. On remplace ça par un ballon de foot et on dirait Shaolin Soccer, quoi. C'est pas fou. D'ailleurs, putain, un film nanar, tu vois, je me le remets très bien, tu vois. Mais bon, il est à fond dans son délire. Il a quoi comme pouvoir, lui? Il a un pouvoir. Bah oui, c'est ce que... la vitalité au personnage. Il supprime les trucs. Ah, il peut heal. Ah putain. Ça aurait pu être utile de le savoir. C'est parce qu'ils l'ont tué... Ah, mais ils l'ont tué tellement vite la dernière fois. Bon, ça sert à rien que j'ai qui que ce soit. Mais arrête de te barrer, toi. Tu prends les caractéristiques en fonction du sol. Tu le poses. Ah oui, ah oui, parce qu'il est bleu. Il est dans l'eau. Eh ouais, putain. C'est pas con, ça. C'est une mécanique plutôt intéressante. Oh punaise! T'as que des moines à poil, quoi. On va rien choper, je parie. Alors attends, qu'est-ce qu'on a? Magister Ranger, hop. La clé du port, ok. Note tachée de sel. Un rapport, on s'en fout. De l'or, des sens, ça c'est pour le craft. Magister chevalier, avait rien. Ah, il devrait mettre vide sur les cadavres quand même, putain. Bon,
Bon, n'empêche, la strat du poison, ça a pas marché. Attends, ça t'a quand même fait tenir à quelques tours. Même pas ça, le soin a même pas eu tant de proc. Ouais, c'est pour ça que je te dis, c'est très con, en fait. Oh putain, après là, qu'on aura après il y aura une fois qu'on aura quitté vraiment le truc, faudra parler aux personnages parce que on a leur quête à avancer quand même. Tu m'as envoyé la couchette ou pas au fait? Non. S'il te plaît, ça te dérange pas. Trouvez-vous une couchette, monsieur. Voulez-vous votre couchette? Je vous donne la paillasse. Par contre, vu l'heure, je pense que tu vas arrêter. Écoute, ouais. Donc, attends, juste pour savoir, ça rame des où, en fait? Ah oh, putain, c'était sur le côté. Ah, oh, punaise, on n'a jamais tilté. Non, non, j'ai capté après en me promenant sur la map. Ah ouais, putain, c'est... Bah non, attends, ça vient d'où ça? Ah non, on n'a pas vu la zone là. On l'a pas ouverte la porte. Mais non, on peut même aller en bas, je pense. Explorer. Regarde ici, tu peux ouvrir, j'ai la clé normalement. Ouais, attends, par contre... 20 sur 20, ouais, ok. Bon, y'a rien qui a été trop abîmé. Par contre, y'a des trucs... que je vais sauvegarder là. Ouais. Ah, y a une forge. C'est une forge aussi? Oh putain, y'a une forge. Mais le problème, c'est que je peux rien crafter. Ouais. Bon, bah moi, en tout cas, je vais vous laisser là. Ouais, bah écoute, c'est les gars, je te remercie encore. On a bien avancé. Non bon, on a surtout fait pas mal de kills, en fait. On a étoile... Ouais, il faut. On a fait pas mal de trucs, en fait. Ah, clou. J'envoie une loupe à l'os. Je dis... Ah, je vais la re-sauvegarder. Alors des du coup, je vous dis bonne nuit à la prochaine. Certainement demain soir. Et cri, si tu continues sur un jeu, ben, bon courage. Je te remercie. Ça risque d'être ça. Quand je vais quitter, du coup, ça va te faire quitter la partie. Ouais, attends, je regarde juste si je peux crafter quelque chose avec le fait que j'ai l'armure à côté. Pas l'armure, le souffle, etc. Je peux faire un harpon, je peux faire une pierre coupante. Une hache pierre et un sur... Ouais, en fait, je peux pas faire grand chose, donc tu peux sauvegarder. Non, c'est bon, je vais sauvegarder. Ah, bah, tu peux quitter alors.